الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، نجتمع في هذه الليلة التي هي الليلة الثالثة من شهر جمادى الأولى، جمادى الأولى لعام 39 و400 للهجرة، الموافقة فيما أظن ليش 20 من شهر يناير عام 2018. نجتمع كعادتنا لتلاوة القرآن ومدارسته، وما زلنا بصدد تفسير سورة الانشقاق، وكان آخر حديثنا في اللقاء السابق على قوله تبارك وتعالى: لتركبن طبقا عن طبق. وقلنا باختصار أن هذه الآية فيها قراءتان، إحداهما الخطاب فيه لمفرد، وفي الأخرى الخطاب فيه لجماعة: لتركبن ولتركبن. فأما الأولى فقيل أن الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سيمر بأحوال شديدة من لدن نزول الوحي عليه في أول الأمر إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. وقيل أن الخطاب موجه إلى السماء، وهي المعنية بالذكر في الآية الأولى: إذا السماء انشقت لتركبن أيتها السماء طبقا عن طبق. وذكرنا الله وذكرنا الآيات التي جاء فيها ذكر تلك الأحوال، أن السماء تكون كالمهل أو كوردة كالدهان، وتنشق وتنفطر وتطوى إلى آخره. وقيل: لتركبن أنت أيها الإنسان طبقا عن طبق. وقيل في الخطاب إذا كان موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن طبقا عن طبق، أي لتصعدن أيها النبي سماء فوق سماء. وهذا القول منسوب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وما القراءة الثانية: لتركبن، وهي المشهورة عندنا: لتركبن طبقا عن طبق، يعني بني آدم من حال إلى أخرى، من نطفة ثم علقة ثم بعدها المضغة، بارك الله فيك، مضغة وهلم جرة، ثم يخرج من بطن أمه يكون رضيعا ثم صبيا ثم غلاما ثم رجلا ثم شيخا، وهكذا يمر بمراحل شتى، ثم يموت ثم يقبر ويدفن ثم يحيى من جديد. لتركبن طبقا عن طبق، أو لتركبن طبقا عن طبق. ولم نذكر ترجيحا، لأن هذه التفسيرات كلها محتملة، ولما لم يكن بينها تناقض حملت الآية عليها كلها. Donc la dernière fois, mes très chers frères, avant toute chose, nous nous réunissons comme chaque samedi soir afin d'étudier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes toujours dans la sourate de la déchirure, et nous nous sommes arrêtés la dernière fois au verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit: tu vas certes passer
d'un état à un autre, donc c'est un discours qui s'adresse à un singulier, un pronom singulier, ou l'autre lecture, car il y a deux lectures dans ce verset, vous allez certes passer d'un état à un autre. Et on dit état à un autre dans le cas où on traduirait tabak par état. À savoir que ce n'est pas la seule traduction possible. Parce que tabak peut aussi être traduit par ciel. Et Allah Ta'ala appelle le ciel dans le Coran tabak. Sab'an. Sab'a samawatin tibaqa. Et à partir de là, donc on a deux lectures et plusieurs suppositions possibles en fonction des lectures. Donc lorsque la lecture, elle porte le pronom singulier, soit on s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans deux sens possibles. On s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi il passera par des moments difficiles. Parce que tabaq en arabe, dans une expression, ça fait référence à des choses difficiles. Yuqal waqa'a bibinti tabaq. Bibinti tabaq. Quand quelqu'un il passe par des épreuves difficiles, on dit qu'il est tombé, comme on dit, bibinti tabaq. Et là, ça fait référence à toutes les épreuves par lesquelles le prophète il passera, du début où il recevra la révélation jusqu'à sa mort, alayhi salatu wassalam. Deuxième supposition, toujours quand on s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il traversera ciel après ciel. Que le mot tabak signifie ciel dans certains cas. Troisième supposition, c'est qu'on s'adresse au ciel lui-même. A savoir que le ciel est celui dont on parle au début de la surah, quand Allah dit lorsque le ciel se fendra, se déchirera. Et le ciel aussi passera par de nombreuses étapes, comme Allah le cite dans le Coran. Puis, dernière supposition, toujours au singulier, au être humain. Comme conformément au verset précédent, Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadha. Ô être humain, tu passeras d'étape en étape. Ces étapes-là, on en a parlé, les étapes de la création, de la goutte de sperme, au caillot de sang, à l'adhérence, au fœtus, au nourrisson, à l'enfant, l'adolescent, l'adulte et le vieillard, puis la mort. Après la mort, la résurrection. Donc l'être humain ne cesse de passer d'étape en étape. Puis dans la lecture du pluriel, la tarkabunna, c'est vous qui allez passer d'étape en étape. Donc ça s'adresse au fils d'Adam, dans le même sens que celui qu'on a cité précédemment. والاستفهام يراد به هنا أحد أمرين أو أمران، فهو للإنكار فيكون استفهاما إنكاريا، أو للتعجب يتعجب من المرء من الرجل الذي يعرف أنه كان نطفة ثم صار علقة ثم أصبح مضغة ثم خرج من بطن أمه لا قدرة له ولا قوة ثم ترعرع وكبر ونشأ بعد سنين فأصبح رجلا ثم احذوذب ظهره وذهبت قوته وأصبح شيخا طاعنا في السن ثم مات. فهو يعترف بهذا ويرى أن الله تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن، وأن الله تبارك وتعالى يبدأ الخلق ويعيده، يرى ويبصر ويشاهد هذا بأم عينيه، ومع هذا ينكر أن يكون الله تعالى قادرا على أن يحييه بعدما أماته، فما لهم لا يؤمنون، ويرون القمر يكون هلالا ثم يمر بمراحل حتى يكتمل ضوءه ويصير بدرا، ويرى النهار يمر بمراحل ويستضيء الناس بضوء الشمس وشيئا فشيئا، والشمس على وشك الغروب ينطفئ ضوءه حتى يغيب
بالكلية ويشاهدون كذلك مراحل الليل من وجود الشفق الأحمر إلى انطماسه في ظلمات الليل، ويرون النجوم تزين السماء، وشيئا فشيئا ها هي الشمس من جديد تطلع وتشرق بأنوارها على الناس. فإذا صارت منيرة طمست بضوئها النجوم، وهكذا يرون هذه الأشياء تتكرر يوما بعد يوم، ولا يجدون فيها أدلة على قدرة الله تبارك وتعالى. وقد قال الحكماء من قبل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فما لهم لا يؤمنون، مع أن الله تبارك وتعالى أقسم لهم بأنهم سيمرون بمراحل، ومن تلك المراحل الموت وبعدها الحياة. فهذا الاستفهام عفوا فيه إنكار وفيه تعجب، فما لهم لا يؤمنون. ونظير هذه الآية في القرآن كثير، من ذلك ما قرأناه في صلاة المغرب في الآية الأخيرة من سورة المرسلات: فبأي حديث بعده يؤمنون. فإن لم يترسخ الإيمان في أعماق القلوب بعد أن سمعت الآذان هذا الكلام العظيم، في ماذا يؤمنون؟ وفي ماذا تتعلق قلوبهم؟ وكيف يترك الإنسان هذا الكلام ويكفر به ثم يتعلق بغيره؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ هذا أيضا استفهام واستنكار. والمراد: إذا لم تؤمنوا بهذا الحديث فلا سبيل لكم بتاتا أن تؤمنوا بحديث آخر. وحينئذ أصبح الناس لا يصدق بعضهم بعضا، وهذا لا يمكن للناس أن يعيشوا في هذه البيئة، من أن يعتقد الناس كلهم أنه ليس فيهم صديق، ليس فيهم صديق يصدق في القول ولا يكذب. فإذا استطعت أن تصدق مثلك فكيف لك أن لا تصدق ربك؟ وكيف لك أن لا تعترف بأنه هو الذي تكلم وهو الذي أخبر وكلامه كله صدق، لا يعتريه كذب ولا شيء يخالف الواقع والحقيقة بوجه من الوجوه؟ فما لهم لا يؤمنون. Puis Allah Ta'ala dit après: qu'ont-ils à ne pas croire? C'est donc une question. Et vous savez, l'emploi de l'interrogation en arabe ou même dans d'autres langues n'est pas seulement utilisé dans le but d'obtenir une réponse à une chose qu'on ignore. Mais des fois, c'est pour aussi transmettre d'autres nuances. Entre autres, le reproche. Ou encore pour exprimer l'étonnement. Donc ici, à travers des versets éloquents dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala rappelle à ces gens qui refusent de croire qu'Allah est capable de ressusciter les gens après leur mort. Donc il faut toujours contextualiser les versets et se souvenir pour dans quel contexte, dans quelles circonstances ils ont été révélés et à qui ils s'adressent en premier. C'est-à-dire aux mouchriquins, aux associateurs, aux polythéistes de Quraysh qui refusent de croire en la résurrection. Donc Allah les met face à des réalités qu'ils observent et voient tous les jours et auxquelles ils croient sans aucun problème. Ils voient tous les jours et ils savent très bien que la cause de la création de l'humain, c'est cette semence qui coule d'eux, qui a fécondé l'ovule de la femme pour donner naissance à un embryon. Cet embryon qui va s'accrocher dans l'utérus et évoluer et passer par des étapes, puis enfin, au bout de 9 mois, donner naissance à un nouvel enfant. Cet enfant qui,
au départ est incapable de faire quoi que ce soit par lui-même, va lui aussi évoluer jour après jour, semaine après semaine et année après année. Et va progressivement se compléter jusqu'à arriver à maturité. Après être passé par l'âge de la petite enfance et l'enfance et l'adolescence, puis de devenir un adulte. Et l'homme ne cesse de gravir cette pente jusqu'à arriver au sommet, au point culminant qui est à ses 40 ans. Et après être passé ces 40 ans-là, il passe de l'autre côté. Et il vieillit. Et il dépérit. Et après avoir cumulé force et énergie, il va la perdre petit à petit. Jusqu'à devenir un vieillard, jusqu'à mourir. Et de la même façon, cette lune que l'on voit au début du mois, aussi fine que l'ongle quand il est coupé, de la forme d'un croissant. Plus les jours passent, plus la partie noire de la lune diminue pour laisser place à la blancheur de celle-ci. Puis au bout de 13 nuits, voici que la lune elle est pleine. Donc nuit après nuit, la lune aussi passe par plusieurs étapes et change de forme et évolue et progresse. Et de la même façon, Allah il a parlé du jour et de la nuit. Mais pas à n'importe quelle circonstance. Là, le jour à la fin de celui-ci et la nuit au début. Allah il a fait référence à cette lumière de couleur rouge ou blanche à l'horizon lorsque le soleil se couche, qu'on appelle le crépuscule. Et il a fait référence à la nuit et par le fait que la lumière disparaisse et pousse les créatures à se réunir et à se rassembler. Donc Allah Ta'ala leur rappelle que partout autour d'eux, il y a des signes qui montrent sa grandeur et son pouvoir. Et d'ailleurs, les anciens, même avant l'islam, ceux qui étaient doués de raison disaient: et dans chaque chose il y a un signe qui indique qu'il est unique. Dans chaque chose. Donc celui qui reconnaît qu'Allah est le créateur, et celui qui apporte la subsistance aux créatures, et celui qui régit leur vie et leurs affaires, et celui qui comble leurs besoins, pourquoi ne peut-il pas croire que ce même Seigneur serait capable de les ressusciter après leur mort? Donc il y a de quoi s'étonner de leur réaction, ceux qui prétendent être les doués de raison et les gens intelligents parmi les autres. Qu'ont-ils à ne pas croire? Comment ne pas croire après avoir vu tout cela et après avoir reconnu tout cela? Lakinnahu al-juhud. C'est le fait de contester, de refuser. Pas parce qu'on a une preuve ou une raison, c'est juste l'orgueil. L'orgueil qui pousse l'être humain à refuser d'accepter la vérité. Et ce genre de verset, on en trouve des équivalents dans d'autres versets du Coran, comme dans le dernier verset de Sourate Al-Mursalat, lorsqu'Allah Ta'ala dit « فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ » Après qu'Allah Ta'ala, il est cité de nombreuses choses dans cette sourate, à la fin, il la conclut en disant en quelle parole autre après celle-ci peuvent-ils croire? C'est-à-dire que la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme Allah l'a décrit lui-même dans le Coran, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ صِدْقًا فِي الْأَخْبَارِ وَعَدْلًا فِي الْأَحْكَامِ. Tammat. Allah il l'a décrit dans le Coran, il décrit sa parole dans le Coran en disant qu'elle est complète en véracité et en équité. En véracité dans les informations qui sont apportées, on ne trouvera pas quelque chose de plus vrai que ça. D'ailleurs Allah dit dans le Coran: wa man asdaqu min Allahi haditha. Qui est plus véridique qu'Allah en parole? Personne ne peut dépasser la véracité du Seigneur de l'univers. Et elles sont complètes et parfaites dans les lois, l'ahkam. Sidqan, la véracité dans les informations. Wa adlan,
la justice et l'équité dans les lois. Al-awamir wa nawahi. Les ordres et les interdictions. C'est juste à 100%. Et si tu n'arrives pas à comprendre toi la hikmah, la sagesse dans un ordre ou une interdiction, comme par exemple le fait de faire ses ablutions après avoir mangé du chameau, pourquoi ? Obéis. Garde en tête toi juste que si Allah a légiféré, c'est que ça a atteint le paroxysme dans la justice. Et que c'est juste et sage. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il nous parle, il adresse des messages, s'adresse à nous, veut notre bien, nous faciliter la tâche, nous appelle au paradis, à son pardon, à travers des paroles merveilleuses et extraordinaires, qu'on récite jour après jour sans jamais se lasser. Une parole qui est incomparable. Et que même si tous les humains et les djinns se réunissaient, s'associaient pour en faire une équivalence, ils n'y arriveraient pas. Après tout ça, ils refusent de croire. Donc, si le cœur de ces gens-là n'est pas assez pur pour croire en cette parole-là, ils ne peuvent croire en aucune autre parole. Imaginez-vous un monde, une société dans laquelle aucune personne ne croit une autre. Aucune confiance possible les uns envers les autres. Est-ce que vous pourrez vivre ? Vous ne pourrez pas vivre. Ce ne serait pas possible. N'importe quelle information possible qui puisse venir de qui que ce soit, on n'y croit pas. Que ce soit ton père ou ta mère, ton frère ou ta soeur, ta femme ou tes enfants. Tu ne crois personne. Ce n'est pas vivable, ce n'est pas possible. Et les humains, depuis toujours, ont des gens en qui ils font confiance et en qui ils croient ce qui leur apporte comme information. Et Allah dit, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Quelle parole possible peuvent-ils croire après celle-ci? Ça veut dire que si vous ne pouvez pas croire au Coran, vous ne pouvez croire en aucune autre parole possible. Aucune. وَهَدَا مُسْتَحِيلٌ. Et ça, ce n'est pas possible. Donc la parole d'Allah est la plus juste, la plus sage, la plus vraie. Surtout quand Allah tabaraka wa ta'ala te ramène des preuves évidentes dans ce que tu vois tous les jours. C'est comme les gens qui viennent nous dire « Si Dieu n'existe, pourquoi on ne le voit pas ?» Non, c'est tes yeux qui refusent de le voir, mais on le voit partout. Quand tu vois ce ciel, quand tu vois cette terre, quand tu vois ce soleil et cette lune, ces étoiles, quand tu vois ces montagnes, ces océans, quand tu vois en toi-même, wa fi anfusikum afala tubsirun, et en vous-même, n'allez-vous pas voir, ne voyez-vous pas? Donc Allah, il a mis autour de toi partout des signes pour te montrer qu'il est là. Ces signes sont partout autour de toi, tu refuses de les voir. Allah, il a fait descendre sur l'humanité des livres qu'il a fait parvenir aux humains à travers des prophètes et des messagers. 124 000. Et encore, les humains refusent de croire. Et après, ils viennent nous dire, pourquoi si et pourquoi ça? Là, si on prenait le temps d'être sincère envers soi-même, on comprendra que ces questions n'ont pas lieu d'être. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ لَا يَسْجُدُونَ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية لما كان يدعو قومه في الأسواق يمشي خلفهم أو يقف أمام الكعبة يقرأ عليهم القرآن. قال الله تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف
إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم يدعوهم في مجالسهم وأنديتهم يقرأ عليهم القرآن، وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم يفعلون. يروان أبا بكر رضي الله عنه جهز نفسه وأهله للهجرة إلى أرض الحبشة، فلما خرج من مكة صادفه رجل من أشراف القوم فعرفه وقاله أين تريد؟ قال إني أريد الإقامة بأرض الحبشة، فإن نفسي لم تعد تطق المكوث في هذه الأرض. فقال له ذلك الشريف مثلك لا يرد، وأخذ يذكر صفاته المحمودة، أنت رجل كريم ورجل شريف ورجل سخي ورجل كذا وكذا. قال ارجع فلأجعلنك في جواري فلا يقربنك أحد بسوء. فذهب هذا الرجل ومعه أبو بكر رضي الله عنه إلى مجلس قريش وأخبرهم أن أبا بكر في جواره، فوافق القوم على ذلك، لكنهم شرطوا ألا يخرج أبو بكر من بيته، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان رجلا بكاء، فكان كلما شرع في تلاوة القرآن اغرورقت عيناه وظرفت وسلت الدموع، فكان يفتن الناس. فقاله جاره أسمعت ما شرطه القوم؟ إلزم بيتك ولا تخرج تقرأ عليهم القرآن. فوافق أبو بكر رضي الله عنه على ذلك، وجعل في زاوية من بيته مسجدا فيه نافذة صغيرة، وكان أبو بكر رضي الله عنه يعكف في ذلك المكان يتلو القرآن، وكان يرفع صوته بالقراءة، وكان صوته يتخلل البيت من خلال النافذة، والناس يسمعون تلاوته وبكاءه فيدنون ويشرئبون يحاولون الاستماع إلى لذيذ صوته. فلما بلغ الأمر قريش نادوا ذلك الشريف الذي جعل أبا بكر في جواره، وقالوا لم نمنع أبا بكر من القراءة لأنه يفتن الناس، ألم تأخذ العهد والميثاق ووافقت على ذلك؟ قال بلى. قال فما لنا نرى نساءنا وصبياننا وعبيدنا يدنون من بيته ليسمعوا تلاوته. فخجل الرجل من عتاب قومه واتجه إلى بيت أبي بكر يعاتبه، قال لقد رميت العار علي بفعلك هذا، أما كان يكفيك أن تقرأه في بيتك من غير أن يسمعك الناس؟ فقال له أبو بكر فيما معناه أشكرك على حسن جوارك لكنني أصبحت في غنى عنه، فخذ جوارك ولن يعاتبك أحد في حقي. الشاهد أن هذا القرآن كان يقرأ عليهم وكانوا يسمعونه، بل أحيانا يحفظون منه بعض الآيات ويستهزئون ويسخرون، مع أن كان الواجب منهم أن يخضعوا وأن يسجدوا، وقد وقع ذلك في يوم تلا النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فسمع القوم
هذا الكلام وتعجبوا منه، وكادت أنفاسهم تنقطع من شدة تعجبهم لهذا الكلام. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الآية الأخيرة التي هي فاسجدوا لله واعبدوا، سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد القوم أجمعون أكتعون أبتعون كلهم معه، كفارهم ومؤمنيه ومؤمنيهم، حتى كان المطعم ابن عدي رجلا سمينا، وكان جالسا ولم يستطع أن ينحني حتى يضع جبهته على الأرض ساجدا، فأخذ في كفه شيئا من التراب وجعل يمسح به جبهته كأنه يشاركهم في السجود، فلم يملكوا أنفسهم إلا أن يعترفوا بعظمة هذا الكلام وسجدوا أجمعوا. وهنا الله تبارك وتعالى يوجه إليهم العتاب، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون لا يخضعون لا يعترفون بكمال الرب وبذل العبد، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وهذه الآية من مواطن السجود في القرآن عند الإمام حفص، وليست كذلك عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، ليست من عزائم السجود. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه السورة، سورة الانشقاق، فلما بلغ هذه الآية سجد، فلما قام من سجوده قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية فسجد فيها. على كل حال، سجود التلاوة له أحكامه، وجمهور العلماء على استحبابه، وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى وجوبه، واستدل بهذه الآية، كما أنه استدل بالحديث المروي في صحيح البخاري كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ الإنسان السجدة فسجد اعتزل الشيطان فبكى وقال يا ويلاه أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت أو عصيت فلي النار. أتظنون أن إبليس يبكي ندما على ما سبق منه؟ كلا، إنما يبكي تغيظا وغضبا على كون ابن آدم قد نجاه الله تعالى من النار بسجوده له، مع أن هدفه، هدف إبليس، أن يدخل جميع بني آدم معه النار. الشاهد أن أبا حنيفة استدل بهذا الحديث على وجوب هذا السجود. وما الجمهور؟ فيرون الاستحباب، ومن أقوى ما يستدلون به ما جاء في صحيح البخاري كذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب ذات يوم أو يوم الجمعة على المنبر فقرأ قول الله تبارك وتعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فنازل من المنبر وسجد، وسجد الناس كلهم معه. لو أتيح للإمام، وهذا لعله لا يقع في هذا الزمان، لو أن الإمام يوم الجمعة وهو على المنبر يخطب مر بآية فيها سجدة فنزل من المنبر وسجد، وجب على الناس أن يسجدوا معه. وفي الجمعة التالية التي بعد هذه الجمعة التي فعل عمر هذا بين الناس مر بالآية نفسها،
ولم يزجر. وقال فيما معناه أن الله تبارك وتعالى لم يوجب علينا السجود بعد التلاوة. وهذا كان في المسجد النبوي بالمدينة النبوية، وفي هذا المجلس حضور كبير من الصحابة الكرام ولم ينكر عليه أحد، فهذا إجماع سكوتي، هذا إجماع سكوتي، حيث لم يرد عن أحد عفوا مخالفة لهذا الأمر. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Et lorsqu'on leur récite le Coran, lorsqu'on leur lit le Coran, ils ne se prosternent pas. Continuent à ne pas croire et lorsqu'on leur lit le Coran, ils ne se prosternent pas. Se prosterner, qui est le symbole de l'humiliation et de la dévotion. Ce qui signifie que lorsque le cœur est plein de foi, de iman, il ne peut que pousser son propriétaire à s'humilier au maximum devant son Seigneur et à multiplier les prosternations. Il y a un compagnon qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam murafaqatahu fil jannah, sa compagnie au paradis. Le prophète lui a dit sallallahu alayhi wa sallam a'inni ala nafsika bi kathrati as-sujud, il dit pour que je t'aide à ce que tu sois mon compagnon au paradis, alors multiplie les prosternations. Alors ça c'est une façon de répondre à ceux qui disent j'ai la foi, t'inquiète pas, elle est dans mon cœur, elle est là, au chaud. Mais ils ne se prosternent pas. Ils ne prient pas. بين هذا الادعاء والحقيقة بون شاسع. Et entre cette prétention et, et la réalité, il y a une énorme différence. La foi, elle est dans le cœur. Non. Mais elle se manifeste à travers les membres. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Ce qui signifie que la foi et la prosternation sont liées. Et que c'est lorsque la foi elle est présente que la prosternation elle suit. Car quand tu crois en Allah Ta'ala et que tu reconnais sa puissance et sa grandeur, tu ne peux que t'humilier devant lui. Quant à prétendre reconnaître cela sans t'humilier devant lui, il y a quelque chose qui ne va pas. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Et lorsqu'on leur lit le Coran, ils ne se prosternent pas. Ils ne se rabaissent pas. Ils ne se recueillent pas. Ils ne s'humilient pas. Donc ça nous fait comprendre aussi que le Coran, il a un pouvoir énorme sur l'état du croyant. Et que plus le Coran lui est lu, plus il a un impact sur lui. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Les croyants sont ceux qui, lorsqu'on leur lit le Coran, lorsqu'on leur évoque Allah, leur cœur frémisse. الوجل بمعنى الخوف. On dit frémir en français pour faire joli, mais non, leur cœur il s'effraie. Et dans notre verset, كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. La peau de ceux qui craignent leur Seigneur, elle frissonne. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Puis leur cœur et leur peau s'attendrissent à l'évocation d'Allah. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'attendrissent? قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Dans notre verset, ceux à qui on a donné le livre, lorsqu'on, plutôt ceux qui ont la science, lorsqu'on leur récite إذا يتلى عليهم, qu'est-ce qui leur arrive? يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدَ. شوف الفرق entre ceux qui ont la science et qui ont reconnu et qui savent et ceux-là à qui on lit le Coran et ils ne se prosternent pas. Eux, ni ils croient ni ils se prosternent quand on leur lit le Coran. Les autres, إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ,
ceux à qui la science a été donnée. Iza yutla alayhim, lorsqu'on leur lit, quoi ? Hada al-Qur'an. Qu'est-ce qu'ils font ? Yakhirruna lil adqani sujjada. Il n'y a pas dit yasjudun. Il n'y a pas dit se prosterne seulement, non. Kharra, ça veut dire fondre. Pas fondre comme la neige au soleil. Mais fondre comme l'aigle qui plane haut dans le ciel et qui a aperçu une proie et qui fonce d'en haut pour l'attraper. Tu plonges. Le menton en premier. Al-Qam. Tu plonges le menton en premier. Pourquoi ? Sujjada. En prosternation. Qu'est-ce qu'ils disent ? Subhana Rabbina in kana wa'adu Rabbina la maf'oula. Que notre Seigneur soit sanctifié. Certes, la promesse de notre Seigneur est active et exécutive. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Et ils se prosternent à nouveau, ils plongent à nouveau sur leur menton en pleurant et ne cessent de se recueillir et de s'humilier. Vous avez vu le parallèle. Regardez l'effet de ce Coran sur les pieux. Leur cœur, il effraie leur cœur. Il fait frissonner leur peau. Il attendrit leur cœur. Il fait couler leurs larmes. Il les remplit de recueil et de dévotion et de concentration. Et eux, ils apprennent alayhim le Coran, la yasjudun. Et on leur lisait le Coran. Et bien sûr, le premier de ceux qui leur lisaient, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Lui-même. Il leur lisait le Coran. Il les suivait dans le marché. Dans la première étape de la da'wa, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le seul à aller les voir, pendant que ses compagnons se cachaient, il les suivait dans le marché. Et des fois, ils sautaient devant la Kaaba, ils lisaient le Coran. Et les gens l'écoutaient. Et Quraysh était derrière lui pour le discréditer. Il entendait le Coran. Allah dit dans le Coran, lorsque nos versets évidents leur sont récités, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent, apporte-nous un autre Coran que celui-ci, ou bien change-le. Dis-leur, je n'ai pas le pouvoir de le changer de moi-même. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Et je crains de la part de mon Seigneur, si je lui désobéis, un châtiment terrible. Dis-leur, si Allah l'avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité. Et vous n'auriez jamais su ces paroles. Je suis resté parmi vous longtemps auparavant. Ne vous rappelez-vous pas. Donc, il leur restait le Coran. Il leur lisait le Coran. Jubayr ibn Mut'im, radiallahu anhu, hein, il nous rapporte que la nuit où il s'est converti à l'islam, il était dans la Mecque, à la Mecque, et il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier devant la Kaaba, seul. Il lisait surat al-Haq. Al-Haqqatu mal-Haqqatu wa ma adraka mal-Haqqa. Et Jubayr, il écoute comme ça. Et il est subjugué par la parole. Alors il se dit en lui-même, c'est une belle parole. Ça doit être de la poésie. Et au même moment, il arrive au verset. Non, je viens de confondre deux histoires, je me rends compte là. Ça, c'était avec Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Jobert, je vais la dire après. Donc il écoute comme ça, il entend une belle parole, il dit non. Il dit ça doit être la parole d'un poète. Et puis dans la même sourate, Allah dit وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. Ce n'est pas la parole d'un poète. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Mais vous croyez peu. Alors Omar est d'accord, dit donc c'est la parole d'un devin. Et le verset après, voilà biqawli kahin qalilan ma tadhakkar. Ce n'est pas non plus la parole d'un devin. Mais vous vous souvenez que très peu. Jubayr ibn Mut'im, lui, c'était surat At-Tur. At-Tur. Donc il écoute le prophète lire le Coran et il arrive au verset am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Est-ce qu'ils n'ont été créés de rien? Ou bien sont-ils eux-mêmes les créateurs?
Est-ce que ce sont eux qui ont créé les cieux et la terre? Non, ils ne sont pas sûrs. Et là, Jubayl dit quoi? Kada qalbi an yatir. Mon cœur, il a failli s'envoler. Wadaka awwala ma waqara al-iman fi qalbi. Et c'était la première fois que la foi s'est installée dans mon cœur. Donc ils entendaient le Coran. Et même les compagnons lisaient le Coran. On rapporte qu'Abu Bakr radiallahu anhu, après les persécutions dont il était victime, lui ainsi que les autres musulmans à Mecca, a décidé de quitter la Mecque pour aller en Abyssinie, en Éthiopie. Alors qu'il était sur le point de quitter la Mecque, il tombe sur un des nobles de Quraysh. Il lui demande où tu vas. Alors Abu Bakr dit, je ne peux plus rester ici. On se fait persécuter, on se fait torturer. Je vais aller où je serai en sécurité, en Abyssinie. Elle lui dit non. Quelqu'un de noble comme toi, avec un bon comportement comme le tien, avec le cœur pur et noble comme le tien, qui est généreux, et qui est attentionné, qui rend le service aux faibles, et qui défend le démuni, et qui aide l'orphelin et la veuve, et il cite ses qualités. Il dit non. Quelqu'un comme toi, on le chasse pas de chez lui. Viens avec moi. Alors il l'amène avec lui auprès de l'assise de Quraysh, et il leur dit, écoutez, à partir d'aujourd'hui, Abu Bakr est sous ma protection. Que personne ne lui fasse quoi que ce soit de mal. Il dit d'accord. Même condition. Abu Bakr, il lit le Coran en public. Et quand il lit le Coran, il pleure beaucoup. Et les gens, ils sont intrigués par ses pleurs et sa lecture. Alors ils viennent et ils l'écoutent. Et après, il y en a qui se convertissent à sa religion. Demande à Abu Bakr de ne plus lire le Coran dehors. Celui le Coran qui le lit chez lui. Et il dit d'accord. Il va dire à Abu Bakr, c'est bon, tu peux rester chez toi, personne ne te fera rien du tout. Mais il n'y a plus le Coran à l'extérieur. Abu Bakr, il accepte. Puis Abu Bakr, dans sa maison, il a un endroit qu'il a transformé, si on peut le dire ainsi, en salle de prière. Et Abu Bakr, il priait là-bas, il lisait le Coran. Dans cette salle, il y avait une lucarne, une petite fenêtre qui donnait accès à l'extérieur. Et lorsque Abu Bakr lisait le Coran et pleurait, on l'entendait à travers cette fenêtre-là. Et les gens entendaient Abu Bakr lire le Coran et pleurer et s'attrouper autour de cette salle-là. Et donc, le même résultat était présent. Quand les gens de Quraysh ont appris qu'il y avait toujours des attroupements auprès d'Abu Bakr parce qu'il lisait le Coran, ils ont été voir son protecteur. Ils ont dit, tu n'as pas respecté la condition. Vous savez, les Arabes à l'époque, quand ils accordaient leur protection à quelqu'un, c'était un honneur pour eux. Et ils devaient préserver cet honneur-là coûte que coûte. Mais il ne fallait pas que le protégé soit une cause de honte pour son protecteur. Et là, quand Quraysh est venu se plaindre à lui, il a pris ça comme un manque de respect. Alors il a été voir Abu Bakr énervé, il a dit, à cause de toi, ils m'ont mal parlé, à cause de toi, ils m'ont remis en cause. Et il a grondé. Puis Abu Bakr lui a dit, écoute, merci de m'avoir proposé ta protection. Mais Allah, wallahu khayrun hafidha. Mais Allah est le meilleur protecteur. Je n'ai plus besoin que tu me protèges. Le shahid dans l'histoire, c'est que les gens entendaient le Coran. Et on leur lisait le Coran. Et ils étaient intrigués par cette parole dont ils n'avaient jamais pu entendre quelque chose de semblable auparavant. Pourtant, ce sont les maîtres de la conjugaison et les rois de l'éloquence. Mais ça, c'était au-dessus de leur compétence. D'ailleurs, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca encore, il leur lit sur la surat al-Najm, l'étoile, du début jusqu'à la fin. والنجم إذا هوى. Par l'étoile lorsqu'elle file. Et la Quraysh qui était présent, ils écoutent. Parce que cette parole-là, quand tu la comprends, tu ne peux pas la décrocher, c'est pas possible. Son contenu, il est tellement fort, sa beauté, elle est tellement grande, son impact, il est tellement violent que tu ne peux même plus cligner des yeux ou bien respirer. D'ailleurs, il y avait un silence de mort, malgré le nombre de gens qui étaient présents. Et le prophète récite. Et imagine le prophète qui reste le Coran. Imagine. On avait vu ensemble dans le hadith
dans le début de la sourate, ma adhina Allahu li shay'in adhinahu li nabiyyin hasan as-sawt yataghanna bil Qur'an. Yani Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas entendu une chose comme il a entendu un prophète avec une belle voix qui lit le Coran. Il n'y a rien de mieux. Puis rajoute à ça notre hadith. Inna min ahsani an-nas sawtan bi kitabillah alladhi idha sami'tumuhu yaqra hasibtumuhu yakhsha Allah. Et l'autre hadith qui nous dit que parmi les meilleures voix qui lisent le Coran, ce n'est pas la voix aiguë ou la voix grave ou celle qui monte ou celle qui descend. Non. Non. C'est la voix de celui, quand vous l'écoutez lire le Coran, vous avez l'impression qu'il craint Allah. Avec le prophète, on n'a pas l'impression, on a la certitude qu'il craint Allah. Parce qu'il disait lui-même, ana atqakum lillah wa akhshakum lah. C'est lui qui disait, c'est moi qui crains le plus Allah parmi vous. Sans aucun doute. Donc tu ne peux que être prisonnier de cette merveilleuse récitation. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait voir ses compagnons, leur demandait de lire le Coran. Il demandait à Abdullah ibn Mas'ud de lire le Coran. Iqra alayya al Coran. Alayka aqra wa alayka unzil. Il a dit, lis-moi un peu de Coran. Et là, il dit quoi? Te le lire alors qu'il a été révélé. Il t'a été révélé à toi. Inni uhibbu an asma'ahu min ghayri. J'aime l'entendre d'autres que moi. Et un matin, alors que le prophète est à la mosquée pour le Fajr, il passe près de la maison d'Abu Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu. Et il entend lire le Coran. Et là, pareil, il savoure le moment. Puis plus tard, il le rencontre dans la mosquée, il dit, « Ya Aba Moussa, law ra'aytani wa ana astami'u ilayk, laqad utita mizmara min mazamiri ali Daoud. » Faqala Abu Moussa, « Law alimtu annaka tasmi'u ilay, la habbartuhu laka tahbira. » Il dit, « Ya Aba Moussa, si tu m'avais vu, alors que je t'écoutais lire le Coran, par Allah, on t'a offert un des instruments de la famille de Daoud. » Ben, il la voit. Et là, Abu Moussa lui dit, si je savais que tu m'écoutais, j'aurais encore plus embelli ma récitation. Al-Muhim, le Coran, il était là. Il était révélé. Il était récité. Et les gens l'entendaient. Mais la foi qui ne pénétrait pas leur cœur les empêchait de se prosterner. Les empêchait de se prosterner. Et quand le prophète arrive à la fin de Surat Najm, il s'est prosterné. Mais cette fois-là, les gens étaient tellement dans sa lecture, étaient tellement pris par la beauté des mots, qu'ils n'ont pu se retenir et se sont prosternés avec lui. Tous ensemble. Les croyants et les autres. Ils se sont tous prosternés. Il n'y en a pas un qui est resté debout ou assis. Même Al-Mut'im ibn Adi, qui était un homme corpulent, et n'avait pas la capacité de se baisser, quand il a vu tout le monde se prosterner, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris dans sa main de la terre et l'a mis sur son front, en guise de prosternation. C'est ça le pouvoir du Coran. Pour celui qui sait l'entendre, pour celui qui sait l'écouter, il transforme ton corps, ton cœur, tes yeux, ta peau, ton âme. Il transforme ta vie, le Coran. On l'avait déjà dit. Allah Azza wa Jal, il a fait descendre le Coran pendant le mois du Ramadan. C'est devenu le meilleur mois de l'année. Il a fait descendre pendant la nuit du destin. C'est devenu la meilleure nuit de l'année. Il a fait descendre par Jibril, qui est le meilleur de ses anges. Il a fait descendre sur Muhammad, qui est le meilleur des humains. Et il a transmis à la communauté musulmane, qui est la meilleure des communautés. Et celui d'entre eux qui l'apprend et qui l'enseigne, c'est le meilleur d'entre eux. خيركم من تعلم القرآن وعلم خيار من خيار من خيار. Le meilleur des meilleurs des meilleurs. Donc tout ce qui tourne, tout ce qui gravite autour du Coran, il peut que s'améliorer et devenir meilleur et devenir le meilleur. Mais quand tu lis le Coran et qu'il n'a pas d'impact sur toi et qu'il ne te pousse pas ta foi à augmenter et qu'il ne pousse pas ton corps à se prosterner, ayu khayr fik. Quel bien il y a en toi. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Puis dans ce verset-là, on a ce qu'on appelle la prosternation de la récitation, sujud al-tilawa. Et d'une lecture à une autre, on a des divergences. Dans une certaine lecture, on en a 16 dans tout le Coran, et dans d'autres, on en a 14. Et dans d'autres, on en a même moins.
Par exemple, celle-ci, l'imam Malik rahmoullah, la considérait pas comme un verset dans lequel il fallait se prosterner. Par contre, d'autres lecteurs voyaient qu'il fallait se prosterner. Et un hadith rapporté par Al-Bukhari d'après Abu Huraira radiallahu anhu, qu'une fois il a lu cette sourate-là, puis il s'est prosterné après avoir lu ce verset. Et après qu'il se soit relevé, il a dit: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire ce verset-là et se prosterner aussi. Maintenant, est-ce qu'il est obligatoire de se prosterner ou non? La majorité des savants voient qu'il n'est pas obligatoire de se prosterner après avoir lu ce verset-là. Et il se base sur un hadith authentique dans lequel Omar ibn Khattab radiallahu anhu a lu sur le minbar un vendredi dans la mosquée un verset après lequel il y a une prosternation, surat al-Nahl. Alors, il a fait une chose que si on la faisait aujourd'hui, les gens ils resteraient nous regarder bizarrement. Il est descendu du minbar et il s'est prosterné. Et instinctivement et automatiquement, tout le monde s'est prosterné avec lui. Car quand tu écoutes quelqu'un lire le Coran et qu'il se prosterne, eh ben tu te prosternes toi aussi avec lui. Parce que celui qui écoute, il est comme celui qui récite. Allah dit dans le Coran, après le verset où Allah il nous parle de l'invocation que Moussa a fait contre Pharaon, il dit: wa qala Moussa Rabbana innaka ataita Fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati ad-dunya al-aya. Moussa, wa qala Moussa. Juste après Allah Ta'ala il dit: qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun. Allah il répond: votre invocation, votre à vous deux, a été exaucée. Votre appel a été répondu. Alors, soyez droits et ne suivez pas ceux qui ne savent pas. Et les savants ils disent que c'est Moussa et Haroun. Parce que Moussa il faisait du'a et Haroun il disait Amin. Et Allah il leur a donné le même jugement. فَالْمُسْتَمِعُ لَهُ حُكْمُ التَّالِي. Celui qui écoute a le même jugement que celui qui récite. Et si quelqu'un ne sait pas lire l'arabe et qu'il ne peut pas lire le Coran, alhamdoulilah, aujourd'hui on a des moyens qui nous permettent d'écouter le Coran. Écoute le Coran, tu auras la même récompense que celui qui le récite. Et le prophète, en fait, il aimait justement, comme on a dit tout à l'heure, demander à ses compagnons de lui lire le Coran. Al-Shahid, c'est que cette prosternation-là, donc Omar il s'est prosterné et les gens se sont prosternés avec lui. Donc si tu es à la mosquée, tu es assis, tu fais rien, déjà c'est pas normal, tu fais rien à la mosquée. Tu n'es pas venu à la mosquée pour rien faire. La mosquée c'est l'endroit dans lequel on vient adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour faire autre chose. Donc être à la mosquée et rien faire c'est bizarre. Mais supposons pour X raison tu n'as pas la force de faire quoi que ce soit, eh ben, tu vas pas te fatiguer en écoutant quelqu'un lire le Coran. Assieds-toi à côté de quelqu'un et dis: Allah, qura'a, Allah, khalik. Lis-moi un peu de Coran, vas-y. Et lui, il lit le Coran, et toi, t'écoutes. Et vous avez tous les deux la même récompense. Et s'il se prosterne, eh ben, tu te prosternes toi aussi avec lui. Parce que t'écoutais. Maintenant, moi, si je suis assis là, et de l'autre côté, il y a quelqu'un, il lit le Coran, il se prosterne, et moi, je l'écoutais pas, alors je me prosterne pas. Et hasab, à l'estima, en fonction de l'écoute. La semaine d'après, le vendredi suivant, Omar ibn Khattab, toujours, il monte sur son minbar, il fait la khutba et il récite le même verset que la semaine précédente. Mais cette fois, il ne se prosterne pas. Et il dit aux gens: j'ai agi ainsi pour que vous sachiez que ce n'est pas une obligation de se prosterner. Et à cette époque-là, il y avait encore beaucoup de compagnons dans la mosquée du prophète, dans la ville du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on n'a aucun de ceux qui étaient présents qui a émis un désaccord vis-à-vis de l'action de Omar, ce qui est considéré comme un consensus silencieux. Mais dans l'absence de désaccord, on estime que tout le monde est d'accord. Cependant, Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, lui dit que c'est obligatoire de se prosterner dans les versets du Coran où il y a une prosternation. Pourquoi? Par rapport à ce verset: wa idha quri'a 'alayhim al-Qur'an la yasjudu. Quand on lit le Coran, ils ne se prosternent pas. Donc tu dois te prosterner quand on te lit le Coran. Et se baser aussi sur le hadith dans lequel le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que quand le fils d'Adam lit As-Sajda, là ça fait référence à la sourate As-Sajda, Alif Lam Mim Tanzilul Kitab ila Raiba Fihi min Rabbil Alamin.
Dans cette sourate-là, il y a un verset dans lequel il y a la prosternation. Donc lorsque le fils d'Adam il lit cette sourate-là et qu'il se prosterne, Shaitan il s'isole, il s'éloigne et il pleure. Et il dit « Malheur à moi !» On a ordonné au fils d'Adam de se prosterner et il a obéi et il aura le paradis. Et moi, on m'a ordonné de me prosterner et j'ai refusé et j'aurai l'enfer. Question. Est-ce que tu penses que Iblis ici pleure de tristesse ou bien il pleure par regret? Non. Il pleure de haine. Il pleure de colère. Parce que tu lui as échappé. Parce que tu feras partie des sauvés parce que tu t'es prosterné. Et lui, il veut pas que tu sois sauvé. Il veut que tu ailles avec lui en enfer pour se désavouer toi à la fin. Shahid, c'est que cette prosternation-là n'est pas une obligation. Il n'est pas obligatoire de se prosterner dans cette vie. Elle a d'autres règles juridiques. ليس درسنا هذا موضع بسط هذه الأحكام. قال عز وجل بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون يكذبون لا يصدقون مهما أوتوا من آية أو من آيات وحجج وبراهين أبوا إلا التكذيب أبوا إلا العناد وامتنعوا تمام الامتناع أن يصدقوا بشيء من كلام رب العالمين بل الذين كفروا يكذبون فالذي يكذب بشيء مما في هذا القرآن يكفر وإن زعم أنه مسلم فلا يجوز تكذيب شيء مما في هذا القرآن أبدا الآبدين بل الذين كفروا يكذبون فسبب كفرهم تكذيبهم ويجب عليك أيها المسلم أن تعتقد أن القرآن كلام الله وأنه كله حق وصدق وعدل وأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه فكما نقرأه اليوم نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه أمته هذه عقيدة المسلم ولا يجوز له أن يقبل غيرها مما يقال في هذا القرآن كما يقول بعضهم أن هذا القرآن حرف وحذف منه أشياء وزيد فيه أشياء كلا والله لم يزد فيه شيء قط ولم ينقص منه شيء قط ومن اعتقد مثل هذا كان كافرا فاحرص على إيمانك حرصك على دراهمك ودنانيرك واحفظه احفظ إيمانك ألا يضيع بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون يوعون أوعى يوعي بمعنى جمع وحفظ فالقلوب وعاء والله عز وجل عليم بذات الصدور ويعلم ما يخفون وما يعلنون وما يظهرون وما يبطنون ولا يخفى عليه شيء من أمورهم القلوب أوعياء قلبك وعاء ولما كان القرآن أشرف الكلام لا يستحق أن يعيه إلا أشرف القلوب فإذا عجزت عن أن تقرأ القرآن فضلا عن أن تحفظه فاتهم نفسك ففيك شيء يمنع وصول كلامه إليك بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون قال بعض المفسرين بما يكتمون بما يخفون ويسرون
بما يجمعون ويحفظون لا يخفى عليهم عليه شيء من أمورهم. قال الله عز وجل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. الأشياء الخفية في الصدور علمها الله تبارك وتعالى. Puis Allah Ta'ala dit, « Bal illadhina kafaru yukadhibu. » Mais malgré tout ça, ceux qui mécroient, c'est dur de traduire ça sans faire de pléonasme. Ceux qui ne croient pas considèrent cette parole-là comme un mensonge. Mais en fait, c'est lié. Considérer la parole d'Allah comme un mensonge est une cause de mécréance. Tout comme ne pas croire poussera à penser que cette parole-là est un mensonge. Et à partir de là, on comprend que le fait de penser, de croire que cette parole-là, qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas la sienne, que ce soit de façon générale et absolue ou particulière, ne serait-ce que dans une lettre. Quelqu'un, il vient, il dit, il prend le Coran, il dit, moi je crois dans tout le Coran, sauf dans cette lettre-là. Il ne croit pas. Refuser de croire en une chose en rapport avec le Coran annule ta foi. L'annule. Tu te dois et tu as l'obligation de croire que le Coran est la parole d'Allah. Que le Coran, Allah s'est chargé lui-même de le préserver et de le conserver et d'empêcher quiconque de l'atteindre ou de le changer ou de le modifier. Tu as l'interdiction absolue de croire qu'on a pu enlever quelque chose du Coran ou rajouter quelque chose au Coran. Et quiconque prétend le contraire, qu'il sache que sa foi elle est nulle. Comme ceux qui viennent nous dire que le Coran il a été changé ou modifié. Là, tu as l'obligation de croire que le Coran que tu lis aujourd'hui, c'est le même qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a transmis à sa communauté. Ce Coran qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui, Shaykhan an Shaykhan, d'un lecteur d'après son lecteur, et qu'il est exactement le même. Ah, vous avez vu, des fois il nous parle, ouais, il a été retrouvé dans les archives de telle bibliothèque une copie du Coran qui date du 14e siècle, du 7e siècle chrétien, vraiment de l'époque du prophète, ou vient très peu de temps après sa mort. Après, les gens disent quoi? On a trouvé des différences. Savoir une chose. Après, tu as les gens, mardal qulub, ceux qui ont le cœur malade et ta'if et faible, comment ça choque? Moi, j'ai choubha dahida kahadihi touch tenjah fi muhawalatiha fi zar'i shoukou qui fait qulubinas. Est-ce qu'un argument aussi bancal que celui-ci est suffisant pour réussir à semer le doute dans le cœur des gens? Le Coran, il y a des conditions pour savoir s'il est authentique ou non. C'est pas en fonction de ça, de son âge. C'est pas parce qu'on a fait le carbone 14 dessus et qu'on a vu qu'il datait de tel siècle que ça y est, là, c'est un Coran authentique. Là, c'est qui l'a écrit, ce Coran? C'est qui l'a transmis, ce Coran? Là, le Coran, il est transmis verbalement avant d'être écrit. Et quand il est écrit, il est lu pour qu'on soit sûr de ce qu'il y a dedans. Et quand il est finalisé et qu'il est transmis, alors on a le nom de celui qui l'a transmis, comme on a le nom de celui qui l'a reçu. Et jusqu'à aujourd'hui, on a encore ces chaînes de transmission-là. La communauté musulmane se distingue de toutes les communautés dans l'humanité par le sanad, par le isnad. Il y a même des mustashriqin, vous savez, les mustashriqin, c'est les orientalistes, c'est des Européens, qui se spécialisent dans tout ce qui a rapport avec la culture arabe ou islamique. Hein, ils te font style, les amas, c'est pas ce qu'on aime bien, c'est pas vrai, c'est pour mettre des doutes dans le cœur des musulmans, ni plus ni moins. Même eux, quand ils ont vu As-Sanad, ils n'ont pas pu retenir leur admiration. Ils ont dit, non, franchement, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu des gens qui, pour être sûrs que la parole qu'ils transmettent, qu'ils attribuent à leur prophète,
ils ont dû apprendre la vie de 500 000 personnes. 500 000 personnes. Tous ceux qui ont transmis la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous ceux. Quand tu lis les paroles des savants du hadith, tu dis subhanallah. Et là, tu comprends pourquoi c'est important d'entendre haddathana. Ce mot que malheureusement, on entend plus souvent aujourd'hui. Il y a des gens qui disent que ça ne sert à rien, dire le sanadou n'est pas des muhadithin. Si ça sert, pour que tu vois comment ces hadiths-là te sont parvenus. Même si tu ne retiens pas les noms, tu ne retiens pas les jugements ou les règles, ce n'est pas grave. Au moins, tu sais comment le hadith était parvenu et par qui il est passé. À la kulli hal, le Coran, c'est encore plus fort. Parce qu'il a ce qu'on appelle al-mut-at-tawatur. Il a atteint un degré dans le nombre de transmissions immense qui enlève tout doute possible que cette parole-là elle vienne d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la transmission, bien entendu. À la kulli hal, ceux qui ne croient pas considèrent cette parole-là comme un mensonge. Et forcément, ceux qui considèrent cette parole-là comme un mensonge ne croiront pas. Amrani, la yanfaku ahaduhuma anil akhar. Deux choses indissociables. Puis Allah dit, Wallahu a'lamu bima yu'un. Et Allah, il sait ce que contiennent leurs cœurs. Parce que awa, ça veut dire contenir, réunir, regrouper ou bien préserver, conserver. Awa jama'a fa awa. Yu'un, awa yu'i. Et ça fait référence au cœur. Parce que nos cœurs sont des récipients. Et plus ton récipient il est pur, plus son contenu sera pur. Et l'inverse aussi, il est réel. Et la chose la plus pure qu'on puisse trouver dans la création, dans l'univers, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour qu'un cœur puisse servir de récipient cette parole, il faut qu'il soit pur lui aussi. Et Allah ne met pas sa parole dans un cœur impur. Et Allah ta'ala, rien ne lui échappe. Et ce que nous on cache dans nos cœurs aux créatures, on ne peut pas le cacher au créateur. On ne peut pas. Wallahu a'lamu bima yu'un. Il sait très bien ce qu'ils cachent, ce qu'ils dissimulent au fond de leur poitrine, comme haine, et comme rancune, et comme colère à l'égard de cet homme qui transmet la parole d'Allah, et aussi qu'au fond d'eux, ils croient en cette parole-là. Mais c'est l'orgueil qui les pousse à refuser de se soumettre. Ils l'ont rejeté, mais au fond d'eux, dans leur poitrine, ils en étaient persuadés que c'était la vérité. فبشرهم بعذاب أليم بشرهم أي أخبرهم بخبر يكون وقعه في أنفسهم عظيما حتى يتجلى في بشرتهم ولذلك سمي ذلك النوع من الخبر بشرى ولا يقتصر على الأخبار الحسنة فقد يكون كذلك بالعكس وهذا يدل عليه فبشره بعذاب أليم الذي يكفر ويكذب هذا بشره بعذاب أليم أليم أي مؤلم موجع فبشره بعذاب أليم. Donc celui-là qui refuse de croire, qui refuse de considérer que c'est la vérité, annonce-lui, informe-lui une information tellement choquante que son impact sera visible sur sa peau. On appelle cette nouvelle-là Bushra en arabe parce qu'elle est tellement forte dans son poids que son effet est visible sur la peau. Parce que la peau en arabe, on l'appelle Al-Bashara. Al-Bashara. Donc on lui annonce une annonce qu'elle peut être bonne ou mauvaise, ce sera visible sur son visage ou sur sa peau. C'est pour ça qu'on dit Al-Bushra, c'est pas seulement une bonne nouvelle, c'est une nouvelle choquante, dans le bien comme dans le mal. Et bien lui là, qui refuse de croire, lui qui pense que la parole d'Allah n'est pas véridique, eh bien annonce-lui un châtiment douloureux. Alim, fa'il, douloureux. Puis Allah Ta'ala dit, et conclut la sourate ainsi, « Illa alladhina amanu wa aminu s-salihati lahum ajrun ghayru mamnun » Hada istithna munqati'. بمعنى لكن لأن من أحكام الاستثناء
أن يكون المستثنى منه من جنس المستثنى، لكن الأمر هنا على خلاف ذلك. يقول الله عز وجل الذين كفروا، الذين يكفرون، ها الذين كفروا، نعم، إلا الذين آمنوا، فليس الذين آمنوا من الذين كفروا. فالاستثناء هنا منقطع، أي إذا اختلف المستثنى والمستثنى منه في الجنس سمي الاستثناء منقطعا. وحتى في علامة الإعراب يختلف، وهذا يفصل في دروس النحو، ولعلمي أنكم تعشقون النحو لعلنا نفتح المجال لاحقا في هذا. على كل حال، إلا الذين آمنوا، أي لكن، يعني لا علاقة بين هؤلاء وأولئك. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين استقر الإيمان في قلوبهم فاعترفوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم وعملوا الصالحات، أي أطاعوا الله عز وجل فيما أمرهم به، وكانت أعمالهم على وفق ما جاءت الشريعة به، هؤلاء لهم أجر غير ممنون. ممنون من قولك مننت الحبل إذا قطعته، أي غير مقطوع. ومنه قوله تعالى جزاء غير جزاء عطاء غير مجذوذ، أي مقطوع. لهم أجر غير مقطوع، لهم أجر غير منقوص، لهم أجر غير محسوب، يعني أجرهم دائما في ازدياد لا ينقطع أبدا، بل يزداد يوما بعد يوم، ويكون ذلك عند الله تبارك وتعالى وهم على سرر متقابلين. صلى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. في الله تعالى يكفي لسورة en disant « إِلَّا الَّذِينَ أَمَنُوا سُوفُ » on traduit en français par « sauf ». Mais le problème, c'est que l'exception ici, généralement, elle fait le lien entre la généralité et l'exception. Et cette exception-là est de même nature que la généralité. Si je dis « les hommes sont interdits sauf Mohammed ». Non, pas dans ce sens-là. Mohamed, Qaddour si tu veux. Eh bien, Mohamed, il fait partie des hommes. Hein? Mais si jamais l'exception ne fait pas partie de la généralité, on appelle ça en arabe hein, une exception interrompue. Une exception interrompue. Comme on dirait, les hommes sont interdits sauf l'âne. L'âne, ce n'est pas un homme. Et pourtant, on le compte comme une exception. Donc, comme il n'est pas de la même nature que la généralité, on dira que l'exception, elle est interrompue. Istithna munqati'. Et il aura le sens de plutôt, mais, et pas le sens de sauf. Pour que tu comprennes la traduction. Parce que ici, la généralité précédemment citée, c'est quoi? Ce sont ceux qui ne croient pas. Donc, si on dit, et ceux qui ne croient pas, Allah, il sait ce qu'il y a dans leur cœur, sauf ceux qui croient. Qui fait? Comment ceux qui croient peuvent faire partie de ceux qui ne croient pas? Ce n'est pas possible. Donc ici, ce n'est pas sauf, c'est plutôt. Plutôt ou mais. Pour couper ce qui a été dit au préalable. Ceux qui croient, ceux dont la foi s'est installée dans leur cœur, et qui l'expriment avec leur langue, et le manifestent avec leurs membres. Ceux qui croient en Allah, en ses livres, en ses anges, en ses prophètes, au jour dernier, et à la prédestinée bonne et mauvaise. Ceux-là, qui font des actions vertueuses, qui obéissent à Allah dans ce qu'il leur a ordonné de faire, ceux dont les actions sont en conformité avec la législation divine, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une récompense qui n'est pas interrompue, qui n'est pas coupée, qui n'est pas diminuée, qui n'est pas comptée. Cette récompense qui est le paradis, elle n'a pas de fin, elle n'a pas une quantité délimitée. Même nous, ça veut dire couper. Parce que je peux te dire, par exemple, je te donne 10 000 euros. Et au bout de 10 000 euros, là, c'est plus là, c'est fini, la récompense, elle est finie. La récompense qu'Allah promet à ses serviteurs, elle n'a pas de fin, elle n'a pas de limite, elle n'a pas de quantité. Elle ne sera jamais diminuée. Et ce qui n'est jamais diminué ne peut que augmenter.
Et la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala augmente jour après jour. Et même malgré cette augmentation, Allah il nous informe dans le Coran qu'il y aura un mazid. Wa ladayna mazid lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Malgré le fait que tout ce qu'il te donne là-bas dépasse l'entendement et l'imagination humaine, tu ne peux pas l'imaginer ou le concevoir, tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais entendu, tu ne peux pas savoir à quoi ça ressemble, mais sache que tu auras les meilleures des choses sans aucune limite, sans aucune restriction. Qu'Allah nous compte parmi eux. Wa bihada nakunu qad intahayna min tafsirina li hadhihi sura, nasallallahu tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana lil 'amali bima fiha وللاتعاظ بما فيها من العظات والعبر وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.